Hey, j'ai pas de place dans l'avion, il a tout pris la place, j'ai mal aux jambes. C'est passé trop vite les gars. Hey, vous voulez des dates d'Algérie? J'ai ramené des dates d'Algérie si vous voulez, il y en a plein. Mais vas-y, qu'est-ce que tu me parles dès la première? Ils ont cassé ma famille. Salut ma famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. Et avec Younes. Salut la famille, donc ça y est, on est rentré d'Algérie, c'est passé trop vite et on va vous partager notre retour en France. On est de retour à la maison, de retour avec vous. On vous a manqué, je sais très bien. Vous avez passé cette journée avec nous. M'a cassé ma valise. Myriam, habille-toi, je t'emmène dans une place directement. Viens avec moi, je vais te remonter le moral. Allez, viens. Myriam, je t'avais dit que quand on retournait en France, j'allais te faire une giga surprise. Mais pourquoi Azine, il est pas là, qu'est-ce qui se passe? Parce que la surprise, je te l'avais promis à toi, rappelle-toi, avant le tournage, ouais, rappelle-toi. Je me souviens, tu m'avais promis qu'on allait à la meilleure boulangerie de France et que je pouvais prendre tout ce que tu veux. Eh oui, les amis, là on va à la boulangerie. La meilleure de France, tu prends ce que tu veux. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as mis sur le volant? Bah, j'ai sécurisé la voiture avec les cadenas. Tu crois, on est parti en Algérie? Eh, les gens, ils sont pas tous gentils. Il y en a, ils volent des voitures, il y en a, ils font des trucs bizarres. Donc là, j'avais sécurisé avec les cadenas et j'avais carrément zappé. Et là, d'ailleurs, la famille, faites attention. Ceux qui volent, qui mentent, il y a des anges qui marquent tout ce que vous faites. Quand vous allez mourir, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez mourir, vous allez devoir tout payer devant Dieu. Et croyez-moi, la facture, elle va être salée. Voilà. Et ici, s'il y en a, ils font les malins. Oh là là là. Oh, je vois avec tes lunettes toi. Bah je vais à la boulangerie. T'as cru on était encore en Algérie? Bah non. Mais ça va pas, ah, je crois qu'il y a un raccourci. Non non, c'est pas un raccourci, viens. Oui, tu vas aller dans le favelas de Harry Potter. Eh, je te préviens, ne dévalise pas toute la boutique s'il te plaît. On verra bien. Regardez les gars, il y a grave tout le monde. C'est une dinguerie, il y a vraiment du monde. Mais par contre, on en parle des gâteaux. On regarde le gâteau de Palak là. Regarde celui-là. Waouh, fraisier. Et t'es chaud. Donc, mais non, mais ça je te préviens, c'est des gâteaux d'anniversaire, calme-toi. Tu vois comme ça, ils nous mettent grave des trucs. Non, non, j'aime pas ça vraiment. Ceux-là aussi, je pense qu'ils sont graves. Ceux-là, ils sont graves sous-côté, les gars. Ouais. Ça a l'air grave beau. Donc là, on va faire notre choix. Ça va être une année, je vais te montrer tout ce qu'il y a. Regarde, des trompe-l'œil. Regardez, à la noisette, on l'avait déjà goûté en plus. C'est incroyable. Ah, il y a melon maintenant, regardez, il y a melon. Ah ouais. Il y a cacahuète. Moi, je pense pas de prendre melon parce que tu vois. Ça, tu vas pas prendre melon. Parce que genre, j'ai pas le melon. Moi, j'ai envie de tester ça. Mais ici, à goûter pour la première fois, ça veut dire du hurtrolls. Ouais, c'est ça, il y a goût chocolat, pétulose. Ouais, il y a citron aussi. Ah, il y a vraiment trop de trucs dans la meilleure boulangerie. Est-ce qu'il y a du salé aussi? Ouais, là-bas, il y a des sandwichs. Ok, là, ils sont en train de tout préparer, la famille. Je sais pas ce qu'on va prendre. Ça va être une masterclass. Ouais, une dingue. Bonjour, je vais vous prendre un trompe-l'œil à la mangue avec un cookie comme ça au chocolat, avec un croissant cookie. Chocolat. Après, je vais vous prendre avec ça un trompe-l'œil passion. Ouais, j'étais en train de tout dévaliser. Vous faites des sandwichs? On va prendre un latin. Prends un dernier trompe-l'œil. Bah, Joe, monsieur. Prendre aussi une pomme en trompe-l'œil, la rouge. Toi, c'est trop, t'as dévalisé toute la carte. Wow. Tu payes? Myriam, elle va payer. C'est pourquoi tu fais sans contact, comme ça ou comme ça? Tu poses juste la carte bleue. Pas faire un paiement sans contact. C'est grave. Allez, Myriam, paye. Ok, paye comme une grande. Merci pour vos. C'est bon, t'es contente, j'ai honoré ma promesse? Non, non, j'ai payé. Et alors? Mais c'est pas toi qui as payé, arrête de faire genre c'était ma carte. Pourquoi tu me mens comme ça? Alors j'ai honoré ma promesse ou pas? Yes. Oh, y a un collègue. Ça va, collègue? Les gars, le retour en France, il est vraiment incroyable parce que les gars, j'ai acheté toute la boulangerie, j'ai dévalisé tous les trous. Mais monte sur le trottoir, tu crois on est au bled encore ou quoi? C'est bon, calme-toi. Mais ça va pas dans ta tête, t'es écrasé, après on pourra pas goûter ces merveilleux plats. Bah si on se fait écraser, ça aussi ça se fait écraser logiquement. Et les gars, j'ai rajouté un sandwich. Elle a pris que du sucré, moi j'ai pris du salé. Ouais, bah on va goûter les trucs de l'eau. Il y a une voiture. Et alors, fais gaffe, il y a un poteau devant toi. Oui. Les gars, si vous connaissez pas Maison Gébran à Villeparisis. Aïe, tu m'as cogné le coin. C'est trop bon. Et en plus, ils sont toujours contents. Et même s'il y a du monde, ils t'accueillent avec le sourire. Il y a du sucré, il y a du salé. Vous allez voir quand on va goûter. Il y a du bonheur dans le sucré, dans le salé. Donc toute l'équipe Maison Gébran, merci beaucoup de nous procurer autant de plaisir. Comment tu vas faire pour monter dans la voiture? Passer par ta place, Myriam. Non, j'ai non, fait non, n'importe non. quoi, je passe par là. Oh non, le cadenas il est où? Oh, je l'ai laissé dans la voiture. Mais je suis trop bête. Oh là, je suis trop bête. Si quelqu'un est lourd, il a ça sert à quoi de mettre un cadenas et de laisser la clé dans la voiture? Retiens ma respiration. Là, 1, 2, 3, let's go. Tu vas démarrer la voiture? 1, 2, 3, let's go. Tu crois que t'as mon âge pour faire ça? Ah, moi je suis pas souple. Déjà, j'arrive. La star. On va manger. Les amis, je vous l'avais dit, la meilleure boulangerie de France. Donc on va commencer. On a une partie sucrée, une partie salée. Donc je vous présente ce qu'on a pris. Un gros croissant Nutella, un New York Rolls, mangue, pomme, fruit de la passion, sandwich. Et ils nous ont donné un pain au chocolat gratuit. Donc je vais commencer pour ma part à me lancer avec le New York Rolls. Je vais prendre un couteau et une fourchette parce que j'en ai tellement rêvé de ce truc. Moi je peux goûter ton sandwich en attendant? Non, wallah, je veux pas mon sandwich. Comment ça se passe à l'intérieur les gars? On va essayer de l'ouvrir proprement pour vous montrer des belles images. Ah, à l'intérieur, c'est une crème. Regardez, à l'intérieur, il y a de la crème, du Nutella. Allez, on y va. Bismillah. Quel bonheur et quel plaisir. C'est quoi la crème? C'est du Nutella. Hein.
C'est du Nutella. Mais c'est quoi la crème en bas? La crème, c'est une crème pâtissière. Avec le fondant, le croquant. Les gars, 10 sur 10. Maison Gébran, je vous aime. Merci beaucoup d'exister. Je sais pas par quelle sorcellerie vous faites des trucs comme ça, mais vous êtes vraiment trop trop fort. Waouh. Regardez comment c'est généreux. Il y a beaucoup de chocolat. Masterclass 10 sur 10. Bon, maintenant, je vais goûter la pomme, celle-là. Là. Elle est un petit peu cassée parce que Julie, c'est pas conduire. Tu veux pas prendre celle-là à la place? Julie, c'est pas conduire, donc regardez, elle s'est cassée. Wow. Est-ce que c'est le goût de la pomme? Je sais pas. Vas-y, ouvre-la en deux. Ouvre-la en deux pour voir. Ah, il y a du coulis. Regardez, il y a du coulis. Vas-y, je vais te laisser goûter pour voir et tu me dis ce que t'en penses. Lait. Ça m'intrigue. Parce que moi, les gars, je vous dis la vérité. Moi, je suis pomme, vraie pomme. Hein. Moi, je suis team pomme. Ça, j'ai pas goûté ça. À l'intérieur, c'est la compote de fraises. Genre, tu vois la compote qu'on achète, bah, c'est de la compote de fraises. Sauf qu'on fait un petit peu plus de sucre. Mais quel est le but de manger ça à la place de manger une pomme? C'est quoi le but? Je comprends pas. C'est quoi la différence? Bah, c'est que c'est ça, c'est plus sucré. C'est un petit peu mieux. Ah. Et ça, c'est une crème pâtissière en fait, à mélanger avec de la crème chantilly et avec de la crème pâtissière. C'est excellent. Mmh. Les gars, vous allez dire que vous avez fait que 3 vidéos en Algérie, vous abusez. Vous inquiétez pas, on en a fait d'autres, ça va arriver. Je me lance pour le sandwich. Est-ce que leur sandwich soit aussi bon? Déjà, il est bien garni. Bismillah. Wesh. Ouais, ouais. Ils auraient pu mettre un peu plus de sauce parce que j'ai pas senti la sauce. Mais on voit que le pain, c'est eux qui l'ont fait. La salade, le fromage, c'est frais. La dinde aussi, elle est bonne. Le sandwich, c'est un bon 7 sur 10. C'est pas un truc de ouf. Mais le sandwich, il est vraiment bon. Ensuite, je vais me lancer pour le croissant. Bah attends, moi aussi, faut que je me lance sur un truc avant. Ah oui, c'est vrai. Moi, je vais me lancer sur... La mangue. Ouais, je vais laisser la mangue, ça m'intrigue, la mangue. La mangue, ok. Attends, pour la mangue, est-ce que c'est un coulis? Dites-vous, les gars, que les trompe-l'œil, c'est croustillant au-dessus et à l'intérieur, c'est... Waouh. À l'intérieur, c'est fondant. Venez voir le jus. Tu leur montres le jus? Regardez, à l'intérieur, je crois que c'est de la vraie mangue. C'est un truc de malade mental. Comment ça? Prends toutes les couches, prends toutes les couches, toutes les couches. Comme ça, t'as bien toutes les valeurs, toutes les... En plus, subhanallah, aujourd'hui, on a tous les fruits en vrai. Incroyable, regardez, ça ressemble bien, sauf que celle-là, elle est un peu plus orange en vrai. Mais pour l'aspect visuel, ils sont forts, ils sont très très forts. Ils sont forts aussi en goût, ça a vraiment le goût de la mangue, sauf un petit peu plus sucré. Ah, c'est en mode, c'est plus sucré, mais c'est de la mangue, quoi. Ouais, c'est de la mangue. Ouais, je vois le délire. Tu revas encore une fois. Je vais y aller. Je vais bientôt regoûter. Mais ouais. Oh, surtout qu'au fond, il y a quelque chose, au fond, regardez. Regardez au fond, il y a une sorte de biscuit là. Mmh. Vous voyez le biscuit? Ils ont vraiment pensé à tout. Est-ce que le biscuit il est bon? À la fin, ça doit faire la diff de malade. Le biscuit, c'est du spéculoos. Oh, moi je vais me lancer pour le croissant. On peut voir qu'il est bien balèze. J'ai pas envie de le découper, j'ai envie de croquer direct. Désolé les gars. Bismillah. Ta Myriam, c'est de la gourmandise. Si t'aimes le Nutella, le chocolat, tu vas être servi en haut-dessus, ils ont mis du Nutella. Tu peux goûter? Et en bas, ils ont mis du cacao. Wallah, tu goûtes pas. Je vais goûter ça avant. Parce que elle, en fait, je lui dis chacun sa commande. Tu peux goûter ça avant et wallah, tu goûtes pas. Y'a pas de problème. Wow, c'est bien fondant. Juste, je leur montre à l'intérieur si c'est des rats. Regardez comme on reconnaît un bon pain au chocolat. À l'intérieur, on voit qu'il y a du chocolat, tu vois, c'est bien garni. C'est comme ça qu'on reconnaît un bon pain au chocolat. Les gars, ici, il y a du chocolat, les gars, ici, c'est fondant. On dirait de la chocolaterie quand tu bois le chocolat. C'est vraiment la meilleure boulangerie de France. Grave. Il reste un dernier ingrédient, les gars. C'est moi, c'est moi. Fruit de la passion. Je peux au moins le découper. Là, tu découpes pas. Ah, celui-là, il se découpe fluidement. Ouais. Waouh! Wow, il y a un coulis! Comment ça a coulé? T'as vu le coulis ici? En vrai, ce que je kifferais, c'est que tu fais ça et tu manges tout. Vas-y pour le fruit de la passion. Là. Ça en fruit, c'est vraiment bon. On en mange quasiment jamais. Celui-là, tu vas pas aimer parce qu'il doit être fort. Ah, d'ailleurs, ça, c'est ultra fort, ça là. Je sais pas trop le c'est coulis, quoi. Le coulis là? Ouais. Mais faut que je fasse un truc! J'ai oublié, j'avais carrément oublié. Mon retour en France à la nouvelle saison de Fortnite! Qui a tué mon micro, sérieux? C'est toi? Mais non, j'étais en Algérie. Ah ouais, c'est vrai. C'est qui alors? Je sais pas. Peut-être qu'il y a eu un courant d'air. Ramasse-le, peut-être qu'il marche plus, peut-être qu'il marche. Sérieux. Et la première chose que je fais quand je rentre en France, je vais dans mon lit, je me repose, je joue à Fortnite. Voilà. Non, moi je joue à Roblox Fortnite. C'est parti les gars pour la nouvelle saison, pour mon retour en France, faut que je fasse un méga top. Hein. Et j'ai besoin de vous pour m'aider, d'accord? Okay. Je peux jouer. Mais va, t'es trop nul, mec. Allez, c'est parti la famille. Première game. Oh, ça fait bizarre de rejouer à Fortnite. Le moulin rouge, ah la honte. Si tu vas là-bas, c'est la honte, c'est un truc à Paris, c'est la honte. Mais non. C'est parti, y a un ennemi, je crois. Il y a un ennemi. Il est là. Ok, elle fait une banane. Mais sors de la voiture. Wesh, il lui a enlevé 56. Mais sors de la voiture. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la voiture? Mais sors de la voiture. Il est où? Il est là-bas. Il s'est barré. Mais tu sais même. T'es un malade, toi. Wesh, la nouvelle saison, elle est extraordinaire. Mais il sait même pas mettre un tir. Mais tu sais. Voilà. Bon, on va aller voir d'autres gens. Tu vas aller voir qui? Voiture contre voiture. Wesh, voiture. Il y a une voiture en face. Il y a une voiture là-bas. Voiture contre voiture. Wesh. Il est descendu. Il va l'exterminer. T'es mal, il lui met des lance-roquettes à bout portant. Sa voiture, elle est trop bien. Même voiture, Miram, les deux sont dans la voiture. Regardez, il est là, le mec. Ok. Oh. Dégage de ma voiture. Ah, c'était grave drôle. Oh, il y a encore un mec. Encore un autre mec. Wesh. What? Il s'est pas visé. Oh, il est en train de viser le ciel.
roquettes. Yasmine, il ne met que des roquettes. Oh, il y en a encore un autre à la voiture. Oui, encore. Oh, là, il y a un duel à l'ancienne, Myriam. What? Il est où? Il est là. Oh, il est où? Oh, il l'a éteint. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais respecte-moi, mon grand. Oh, le laser. Un HP. What? Oh. Il a laser. Mais Yasmine, il est trop fort, il s'est entraîné pendant le jeu. Voilà. Mais comment t'as fait en Algérie, il y avait pas de plaie? Mais je sais pas, mais je suis trop fort, Younes. Oh, et peut-être qu'ils font exprès de me laisser les tuer. Oh, il y a de la gazouze. Un peu de gazouze, un peu de limonade. Ah oui. Ah, toi, oui, oh, c'est une voiture basique, couper, c'est une voiture basique. En plus, il a la hauteur. Oh, oh, oh. Il a fui. Il est trop bête. Mais il est trop bête, les gars, le mec. Non, mais il va tuer Yasmine. Mais non, il va pas me tuer. Oh miskin, oh miskin. Il va se prendre la rafale. Bah non, pas miskin, c'est Yasmine, il va se prendre la rafale. Oh, il fuit. Oh là là, il est là. Oh, il mon gars, c'est mon Théo. C'est mon Théo, mon gars. Il est trop fort, Myriam. Faut que tu prennes un médaillon, Yasmine. Oh, il y a un mec là. Oh, il l'a écrasé. Ah non. Wouah, ça dégage, mon ami. Ah, c'est un carbonara. Un mec là-bas, vous l'avez vu ou pas? Ah ouais, ouais. Alors toi, mon pote. Oh, le pauvre. Oh là là, le pauvre. Ça dégage. Yasmine, il a une arme de ouf. Mais il est malade. Oui, le rush. Wesh. La police, Yasmine, c'est la police. Voilà. Ah mais Yasmine, les gars, j'ai récupéré la voiture du turfu, les reins. Ça devient un boss sur le jeu, Yasmine, les mecs. Ouais, il a des poils, des têtes de mort. Des il a une couronne, il reste que 5 personnes, tu vas faire ton top 1 de la France. Incroyable, j'ai... Le petit loulou. Wow! Non, il va me tuer! Pas comme ça. Il va me tuer. Il est trop fort! Mais il est trop fort! Il arrache quitte le jeu! Et alors? Parce qu'il était trop fort! Ah, Yasmine, c'est trop bien de reprendre la feuille. Tu sais qu'on a une surprise pour Younes? C'est quoi? Tu vois, t'as l'habitude de beaucoup trop manger, toi! Ouais, c'est vrai ça! Dis même pas ce matin, on était à la boulangerie. Mais quoi? Vous m'avez pas attendu? Pour la peine, tu vas souffrir, monte sur le tapis. T'as un tapis de course haute génération, mets l'accueil. Regarde tout ce qu'il y a! Oh YouTube, Netflix, Disney, Amazon Prime, Twitter, Insta. Ça veut dire que je peux courir et aller sur Netflix. Et en plus, il y a des méga baffes ici, ça veut dire que t'entends le son grave fort. C'est-à-dire code familial. Code familial, le compte il est connecté. Ok, code familial, c'est une blague, Yacine. Comme ça, t'as plus d'excuses. Là, tu peux plus dire, ouais, je suis gros, je suis gros. Mais Netflix, c'est... les amis. C'est oh quoi, ce là. Il y a des séries de malades. Il y a One Piece. C'est-à-dire que là, je fais ça. Mes plaies. Et là, Netflix, les amis. One Piece. Eh ben non, Star. Non, laisse juste comme ça. Mais non, mais il faut faire du tapis de course. Non. Merci les gars. Merci beaucoup. Non, fais du sport, fais du sport. A few moments later. Younes, tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de bosser. Eh, dans cette famille, sur la code familiale, c'est moi, je fais tous les montages. Eux, ils font rien. Tu vois, ils dorment. Et moi, j'en ai marre. C'est mon premier jour en France. Et je Calme-toi. Calme-toi. Dans ce panier, il y a mon franc en question. Oh, j'aime beaucoup. Déjà, dans ce panier, tu sais qu'il y a des bombes lacrymogènes pour les cheveux. C'est pas des bombes lacrymogènes, dis pas n'importe quoi. C'est des bombes pour les cheveux, quoi. Déjà, on va tester sur mon cheveu. On va tester sur tes cheveux. Non. Tu peux avoir des poux, des pellicules et tes cheveux. Myriam, elle est trop bizarre. Wallah, elle est trop bizarre. Ça se lave à l'eau. Et c'est quoi ton prank que tu veux faire? J'ai pas capté. Ouais, le retour des pranks. Ouais, le retour des pranks. Mais Yasmine, il est où? Yasmine, il est en train de se couper les cheveux. Maman, elle va lui couper les cheveux. On va il est même pas allé au coiffeur, ce gros rat. Ouais, il voulait pas payer. Vas-y, viens, on va le prendre. Et ce qu'on va faire? On va lui mettre du rouge dans le dos. Attends, mais il y a des cheveux par terre. Il a dû sûrement finir sa coupe. Viens. On lui dit qu'il y a un côté plus court que l'autre. Comme ça, il revient. Ouais, tu lui fais. Vas-y. T'as fait une nouvelle coiffure. Ouais, je me suis coupé les cheveux. Fais voir, je regarde de face vite fait. T'en penses quoi? Mais là, c'est plus court que là, c'est plus long. Quoi? Mais va chez le coiffeur, gros. Qui t'a coupé? C'est maman. Mais pourquoi tu vas pas chez le coiffeur? Le coiffeur, c'est 50 euros. Je vais pas le dépenser 50 euros. Oh, le gros rat, mais là, du coup, faut que tu. Dis à Myriam, elle s'est bien coupée. Bah, elle oui. est, bah, oui, elle est à l'école. Ça. Non, vraiment. Maman, faut que je me refasse. Maman, je vais pas reprendre la cible, t'es d'accord? Ok. J'y crois pas, ce gros rat, juste pour pas dépenser d'argent. C'est grave. Oh, Myriam, elle est bien la coupe ou pas? Maman, t'as fait un dégradé. Elle m'a fait un dégradé, mais avec les cheveux longs. Je sais pas si vous connaissez. Ah, mais Yacine. Ouais. Du coup, tu vas pas chez le coiffeur là. Ça va pas repousser en bizarre. Non, parce que maman, elle fait bien. Maman, c'était une ancienne coiffeuse. Mais tu devrais mettre un élastique long. Ouais, y a du bruit. La laque, mets la laque, mets la laque. Mais pour avoir des bons cheveux soyeux. Je te manque un petit peu de like. Encore un petit peu de like. C'est bon, BG, je suis pas allé voir dans le miroir. Mais pourquoi dans mon dos c'est froid? Eh, hey, t'as une vraie coupe, hein. Va voir dans le miroir. Ah ouais. Est-ce que je te coupe ton maillot? Vas-y, secoue mon maillot. C'est un maillot que je kiffe, Avengers, c'est incroyable. Tout est bien fait. Non, regarde pas derrière. What?
Mais pourquoi il y a des écritures dans mon maillot? Non, mais c'est pas ce que tu crois. Je vais te dire, c'est Myriam m'a lavé le bon. Mais c'est toi qui paye les maillots! Myriam, les gars, je crois que c'est vraiment calculé. Mais toi, c'est toi qui paye les maillots! Mais c'est pas moi, c'est pas toi, toi, tu filmes depuis tout à l'heure, c'est pas toi, vas-y. Mais c'est rien, c'est qu'un maillot, calme-toi. Non, tu veux savoir ce qu'elle a. Elle l'a fait bien, tu sais ce qu'elle a écrit derrière? Elle a écrit quoi? Retourne-toi. Elle a mis Abibas live. Parce qu'il y avait pas de marque! Il y avait pas de marque dans ton. Le premier jour qu'on rentre en France, vous commencez déjà! Je crois qu'il l'a bien pris. Ah, c'est bon, je peux sortir. Ouais, je pense que tu peux y aller. Je pense qu'il l'a super bien pris. Attends, bah recule quand même un petit peu. T'es pas du tout énervé. Tu lui pardonnes? Tu lui pardonnes ou pas? Ouais, c'est bon, tu peux venir. Ouais, je t'ai dit, c'est carré. Là, j'ai vu. Wesh, 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 wesh. Elle a pas explosé. Un petit problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh, venez là, vous allez nettoyer. Hein. Tu fais des tatouages. J'ai de la bombe dans le cou. Tu fais des tatouages. La famille, la code familiale de retour en France. Cours, pour toi aussi, cours. Moi, j'ai rien fait. T'as 3 secondes. Ouais. Mettez un like, abonnez-vous. Moi, je m'occupe d'eux. Je vais me venger dans les prochaines vidéos. Allez, ciao.